Hallstatt. Arrivé à Hallstatt. Franchement, c'est magnifique. C'est paisible. Regardez-moi ça, quoi. Ça va, Méline ? Ville de Hallstatt, au loin. Je sais pas, il y a une grosse sirène, on sait pas ce que c'est. C'est quoi ce bazar? On est à Hallstatt et voilà encore une petite patoune douce. Coucou petite patoune douce. Ça va petite patoune douce? Petite patoune douce. Petit chocolat, c'est pas les chocolats viennois, c'est un petit chocolat comme ça pour faire une pause. Et on est toujours à côté de la magnifique vue. On était alone tout à l'heure, mais là il y a plein de peuples. Et ce mec a une tenue de tyrolien. Château, là, 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 là. Là, ici, un château. Il est trop beau. Ouais. On va aux grottes de glace de Salzbourg. Yes, ça va être trop beau. Après les mines de sel hier, où c'était incroyable, il y avait quelques parties, on s'est demandé ce qu'on foutait là, mais sinon, là, on va aux grottes de glace à Salzbourg, qui est à 40 minutes de Salzbourg. Ouais. Ça fait un peu loin, mais là, on a un rendez-vous pour 10h, 10h20, 10h40, je peux dire. Et donc on va bien s'amuser à regarder, j'espère qu'on pourra filmer et pas en 10 minutes. Là on a les grottes de les mines de sel, on ne peut pas filmer, donc j'ai un peu fait des plans enluminés, vous verrez. Par contre, on est un peu deck, c'est pour l'abbaye. Ouais. L'abbaye de Saint-Florian, qui est une magnifique abbaye, qui est une bibliothèque incroyable. On s'est dit qu'on allait y aller comme ça pour voir et au final bah, ça passe ou ça casse, bah, ça casse. Il fallait réserver pour l'abbaye Saint-Florian et voilà. On ne l'a pas fait. Donc on a manqué la magnifique bibliothèque et toute l'abbaye en fait. Bah, on a quand même fait des plans extérieurs pour se voir. Donc là, les mines de sel, donc il fallait réserver à l'avance, ça coûte une journée de plus. Et les mines de. Les grottes de glace, pareil, on a pris les billets à l'avance pour pouvoir avoir un créneau horaire. Parce qu'en fait, on se garde sur un parking en bas. Et après, on prend les cabines périphériques pour monter jusqu'en haut. Ouais. Donc là, ça va être incredible, incroyable. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut, malheureusement. On n'a pas toujours eu de la chance. C'est donc notre dernier jour et il pleut. Ouais. Donc, tout le road trip, on a eu autant. Cet après-midi, on rentre en France. Donc, pour la fin du road trip. On va retourner chez nous et puis voilà. Ce sera la fin d'un voyage, ça va être incroyable, des paysages comme j'en vois là devant moi, incroyable. Ouais. Trop bien. Nous sommes en train de marcher pour aller aux grottes de glace. Et donc comme disait Ameline, là on a 20 minutes de marche, on arrive au téléphérique pour 3 minutes. Ensuite, on a re 20 minutes de marche. Et ensuite, on a 70 minutes de visite. Et on a payé ça 30 euros. Parce qu'il y avait le téléphérique. Alors qu'on a que 3 minutes. Ah ouais, c'est 3 minutes de téléphérique. Du coup, il y avait le chemin pour les randonneurs par les bois. Ou le chemin pour les flemmards par le tunnel. Et nous, on est quoi? On est des courageuses. Donc on emprunte un espèce de tunnel, donc eux c'est donc en Autriche c'est des spécialistes de creusage sous roche, de forage.
avec les mines de sel, les grottes de glace, les machins. Ils aiment bien faire des tunnels. Donc on passe par un tunnel. Oh là là, hippou. J'aime bien faire des petites vocalises. Hippou, hippou. Bon, elle est en train de rager. Parce que on se tape 20 minutes de grosse marche jusqu'au téléphérique. Et qu'en fait, on aurait que 3 minutes de téléphérique. Du coup, elle a la rage. Regardez, elle est vénère. Elle est vénère. Elle est toute colère, là. Elle a dit, c'est vraiment des enculés. Moi, je suis venue pour faire les cordes de glace, pas pour faire une randonnée. En fait, on est sur le chemin, là. Et il nous reste encore à aller là-haut. C'est le point de RDV. Ah, moi, ce qui me révolte, c'est qu'on a quand même fait 30 balles. C'est 3 minutes de montée, alors que c'était 9 euros. C'est moral, c'est vraiment. Alors que t'as 40 minutes de marche. Elle est vénère, elle est vénère, elle est vénère, 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 vénère. Elle est vénère. Vénère. Elle est vénère, elle est vénère, vénère, vénère. Vénère, vénère. Elle est vénère. Je pense qu'après le téléphérique, on a encore 20 minutes de marche. Non, mais là, ça sera de la descente pour redescendre. Après, ce qui est plutôt logique. Tu montes le téléphérique, t'as encore 20 minutes. Okay. Ah bon? Oui. On est où là? On est dans le téléphérique et c'est bondé de monde comme un train à heure de pointe. Ils nous ont bourré tous dans une minute et demie. Ouais. C'est génialissime. C'est vraiment un petit peu. Il est en haut de la montagne et il neige. C'est trop beau. Ameline. Coucou. Il neige. Regardez ça comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Trop cool. Bon là c'est de pire en pire pour Ameline car elle aime pas la neige. Et on a encore 20 minutes de rando pour arriver aux grottes de glace. Par contre le paysage un peu japonisant comme ça sous la neige, les roches, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Les mélèzes, les pins noirs d'Himalaya. C'est splendide! Regardez ça! Wouhou! Ça va être sur du gros flocon. Regardez ce qu'on a fait. Et regardez le vide. On voit rien du tout. On est bientôt là, il y a encore quelques zigzags. La grotte. Après 40 minutes de marche sous ce magnifique paysage. Ameline est contente d'arriver. Voici l'entrée de la grotte. Il neige. Et ça va être super. Ameline, elle a tellement chaud et on est tellement petit et fait tellement froid qu'elle fume. Regardez, c'est trop. Ils lui ont donné une petite plante. Ouais, et tombe une petite plante. Et figurez-vous qu'elle est méga lourde. Ouais. Tu fumes de ouf. Et cette fois on est que toutes les deux. Ouais. Bon, on voit toujours pas grand chose mais. C'est l'un des tristes. C'est comme si c'est. Ah, j'aime cette sensation de. Ouais. Ça tente un peu là. Bon, après, je rachète parce qu'on était tout à l'heure. On était beaucoup. Soleil pour notre retour. Ameline a mes lunettes de soleil, elles sont énormes pour elle. C'est trop drôle. Il fait trop beau. Voilà, on a dit qu'on ramenait le soleil in the pocket. Ouais, on ramène le soleil. En tout cas, on l'a avec nous jusqu'à la fin de notre voyage. Après. On sait que quand on va arriver dans les Vosges, il pleuvra à souffle. Mais pour l'instant, on l'a avec nous et on profite des dernières vitamines. E, B, C, D, A, je ne sais plus quelle vitamine correspond au soleil, on en a la vitamine. Voilà, donc on profite des vitamines du soleil et après on retourne dans notre flotte.
bonne année. Salut tout le monde, bon, vous arrivez à la fin du road trip. J'espère que les épisodes vous ont plu. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Sauf si c'est négatif, dans ces cas-là, ça fait pas plaisir. Si jamais vous avez des questions, bah pareil, dans les commentaires, vous les mettez. Vous me dites que vous n'avez pas compris. Moi, j'y répondrai. Je réponds à tout le monde de toute façon. Donc, mettez des commentaires. Je vous répondrai. Je vous mettrai un petit cœur et tout. Sauf si c'est négatif. Quelques précisions par rapport aux grottes de glace. Donc, ce que vous venez de voir juste à l'instant. Vous n'avez pas eu d'image. Pas parce qu'on n'a pas eu le droit de filmer. Mais plutôt parce qu'en fait, j'ai eu un problème en étant dans les grottes de glace. Les grottes culminent à 3600 mètres. Moi qui ne suis pas sportif et qui suis asthmatique, mes poumons n'ont pas supporté. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse, à faire une crise d'asthme dans les grottes de glace sans que le guide ne soit là parce qu'il était déjà parti très loin. Parce que oui, 40 minutes de marche, 3 minutes de téléphérique, je suis encore... Ça va aller. Et ensuite, en fait, dans les grottes de glace, ce n'était que des escaliers. Que des escaliers, ce n'était que ça. Avec un morceau de glace qui traînait au plein milieu. Après on n'a pas vu plus que ça. Mais de ce que j'ai vu, il n'y avait que des escaliers. Donc du coup, j'ai commencé à sentir mes poumons qui se vidaient de son air et je ne me suis pas senti bien du tout. En tout cas, les vidéos urbex, pour ceux à qui ça manquerait, vont reprendre prochainement. Je ne sais pas quand, mais elles vont reprendre. Quand les beaux jours arriveront, là... Il y a ma taille de neige actuellement dehors, donc du coup, c'est pas la peine de faire un urbex, d'aller se tuer sur la route à cause du temps. On va voir ce qu'on peut faire avec cette pandémie, si on peut sortir ou pas, et quand est-ce qu'on pourra retourner en urbex. Sur ce, mets un like si la vidéo t'a plu, abonne-toi, et si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne que tu ne connais pas, va voir d'autres vidéos si tu n'es pas sûr d'aimer. Regarde-en, tu verras bien, ça pourra... peut-être te plaire. Et dans ces cas-là, là, mets ton abonnement. Allez, je te regarde. Abonne-toi. C'est tout pour moi. Je tourne encore. That's just the way life goes, but I didn't know that out beyond all that I could see was someone there just waiting for me in a field of flowers with colors that I never see. You brought me back to love, you brought me back to life.